Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Atlas P sur le Uncharted 4. Comme vous pouvez le constater, il y a un magnifique sniper au-dessus de cette magnifique tour dans le magnifique Madagascar. Alors, attends, oula, d'accord, je voulais faire un petit peu discrétion, mais ça part très très mal. Alors, attendez, vous savez quoi? De toute façon, je suis un spécialiste du bourrinage, alors tant qu'à faire, on va en profiter. Voilà. Par contre, je me prends des balles provenant de certains endroits, mais il n'y a pas d'ennemis là-bas. Bah regardez, ils disent que... Mais il est où? Bah faites quelque chose, Sully, brother. Ils sont restés dans la voiture. Ah non, ça y est, ils sont sortis quand même. J'ai eu peur. Ils l'ont laissé comme ça, j'étais en train de me faire défoncer. Le sniper, vous le voyez ou pas? Il est là. Allez. Oh là là, attends, il y a un mec là, ici. C'est quoi cette blague? Prendre... Mais... C'est vite parti en couille, hein. Je vais récupérer le... C'est quoi ça? C'est une falle. Le sniper, il va pas faire long feu avec ma petite falle. C'est bon. On a un petit zoom aussi. Oh oui. C'est vraiment un petit zoom. C'est quoi la différence en fait? Il y en a pas. Genre, sans zoom, zoom. Voilà, je crois que tu gagnes 10 cm quoi. Enfin bref. On avance. Hop, le petit saut. Elle est un peu nulle cette arme. Hein. Où c'est que c'est de la grosse merde? Il me faut autre chose là. Ah, un sniper, ça serait pas mal. Sans mentir, un joli sniper. Et j'adore, vous avez vu que maintenant les décors sont un petit peu destructibles. Hein. Voilà. Comme dans un Battlefield. Bon, pas autant, mais c'est un peu la même idée. On va se planquer ici. Et là on va faire une petite infiltration dans la tour. Viens là toi. Viens te battre. Ah voilà, on a un sniper ici. Pourquoi il le ramasse pas? Il est con ou quoi? Il a ramassé là? J'ai pas vu. Oui c'est bon. Ok. Et en fait ils sont tous morts. Oh, je suis grave déçu. On aurait pu faire un truc comme ça aussi. Ouh. Et là, en retombant, tu mets un gros coup de poing. C'est génial, ça. Bah, par contre, c'est fini. Ça y est, on a tué tout le monde. C'est pas vrai. Rafe et Nadine ont des dizaines d'hommes dans le coin. Il se pourrait qu'ils tombent sur le trésor sans même le faire exprès. Du coup... Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? Ah oui, on va récupérer le véhicule. Ça y est, déjà, on a... On bute tout le monde, on repart en 4-4, c'est ça, il n'y avait pas d'autre objectif ici. Bah très bien, on aurait pu limite les rusher un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, bah vas-y, attends, on va le faire. Mettez-vous à couvert, une seconde. À tous les coups, il y a un truc caché ici. Hein. Alors, oh, qu'est-ce que c'est? Un autre saut. Ah, je le connais celui-là. Il a tenu la baie du roi pendant un moment. Un marchand, un esclavagiste, un sale fou. Impressionnant. Bah ouais. La prison, l'état de livre. Ok. Donc dans chaque tour, on a un insigne pirate différent. Des plus grands pirates que l'histoire n'ait jamais connu, bien évidemment. Et du coup, où est-ce que j'ai laissé mon 4x4? Il me semble que c'était par ici. Eh ben on l'a bien caché hein. Attends, on va récupérer la grenade aussi. Pourquoi pas? Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout ici la grenade, mais... Pourquoi pas? Une grenade en plus. Allez en avant. Ok. Ce vandalisme. Est-ce que... On peut voir de là une nouvelle tour? Déjà il y a un truc au bout du pont ici. Quelque chose me dit que c'est là qu'il fallait aller en fait. Ouais, c'est carrément ça, parce que là, du coup, on va faire un grand tour. Ou alors, on peut aller à gauche, là. Non, non, ça a l'air d'être... Ouais, c'est complètement hors map. D'accord, donc il fallait faire grimper le 4x4 ici. Et voilà, on peut continuer par là. On va éviter de le faire tomber. À tous les cons... À tous les cons? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. À tous les coups, le pont allait s'effondrer. Comment on va sortir de là? Alors, du coup, vous avez vu, c'est effondré comme ça. Ce qui fait une rampe. Donc, ce qui serait intelligent, c'est, voilà, de faire ça.
On entoure les deux comme ceci. Et là, du coup, ça va nous créer une rampe, quoi. Voilà, voilà. Ingénieux. Allez. Allez. Voilà ce qui s'appelle se créer son propre chemin. On peut y aller. Et c'est par là. Attends, j'espère. J'ai trop peur de m'embourber. C'est tellement la merde déjà IRL. J'ai vraiment pas envie de me refoutre dans la merde. Pourquoi ça? Je me disais que tu pourrais peut-être la contacter et essayer de la convaincre de rappeler ses hommes. Elle est bien bonne. Et si on lui promettait une plus grosse part que Rafe? Non, elle fonctionne pas comme ça. Elle est plutôt du genre. Regardez, c'est Shoreline. On peut dire qu'ils font pas les choses à moitié, ceux-là. Ouais, mais ils perdent pas leur temps, surtout, t'as vu à quel point. Et ils tracent avec leur putain de camion. Ils avaient déjà trouvé le trésor. Ils sont toujours en train de passer l'endroit au pain fin. S'ils l'avaient trouvé, ils seraient plus en train de chercher. Ils vont à 300 à l'heure alors que c'est même pas bétonné. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, les baobabs. On en arrête un, on fait attaque de convoi, je sais pas. Oh, bah tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à lire. Il y avait un gardien, je pensais qu'il avait appliqué le mois. Tu lisais quoi? Des livres d'histoire surtout. Et en particulier ceux à propos d'Avry et des autres pirates. Juste au cas où, tu vois. Bien sûr. Et à part la lecture, je faisais de la muscu, j'aimais, j'essayais d'éviter les bastons de Jean Diego. Je crois que j'étais un max. Et à peu près tout. Eh bien, ça avait l'air d'être cool ce séjour en prison, n'est-ce pas? Je pense pas avoir emprunté la route conventionnelle en fait. Ah attends, là il y a un petit passage. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu disais, Nate? Oh oui, si t'avais un gardien prêt à prendre service. Pas mis là par hasard. J'ai bien essayé. J'avais demandé de poster une lettre à ces idiots de Shoreline. Ok. On va se les faire quoi. Let's go. J'ai un sniper en plus donc. Quoi? Non. Voilà, ok, le deuxième tir, je suis d'accord, mais le premier, j'ai vraiment pas compris. Le mec, il était arrêté. Mon viseur était parfait sur sa petite tête. Mais... Oh là là. C'est de la triche en plus, je suis enrhumé là. Laissez-moi tranquille. Voilà, crève. Toi. Nathan. Oh, je suis mort comme une vraie merde. Dans les Uncharted, c'est comme ça. Ta vie ne veut plus remonter. Mais je sais pas pourquoi. Elle reste dans le noir et blanc indéfiniment. Ah, là, ça a touché. C'est quoi ce sniper de merde, là? Mais... En fait, ça sert à rien de viser la tête, quoi. Apparemment, il one-shot dans tous les cas. Est-ce que vous voyez encore un ennemi? S'il tire, j'imagine que oui. Il est où là? Est-ce que je peux tirer dans ça peut-être? Ah, bon, j'aurais essayé. Allez, on va aller le chercher. Viens par ici, mon copain. Viens donc là. Oula. Oh, il était bien caché. Hein. Super AK-47. Et vous voulez faire quelque chose avec le camion peut-être? Je ne sais pas. Non, ils ont l'air de s'en foutre. Par contre, il y a des munitions. Alors, attends. Occupé à leur Afika. Et j'avais vu une autre arme. Ah, la China-like. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un lance-grenade. Ça, c'est bon, ça. Et en fait, pourquoi on vient de cette grotte? Je venais pas de là du tout, moi. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière? Ou... Attends. On va prendre le 4x4. On va essayer d'avancer tout d'abord. Ouais, par exemple là, tu vois, on aurait bien besoin de parachute, mais je vois plus la route là. Nous, on est venu d'au-dessus là-bas. Attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? On va essayer de passer par la grotte parce que j'y suis pas allé en fait, donc je vois pas où ça peut nous mener, mais je trouve
Je trouve bizarre qu'il nous fasse spawn là. Et qu'en réalité ce soit le chemin. Ça serait vraiment très chelou. Bah en fait si. En fait c'était vraiment le chemin j'ai l'impression. Parce que tu vois on peut continuer comme ça. D'accord, alors en fait on aurait pu carrément éviter les ennemis. Et remprunter le tunnel quoi. Ça c'est parce que le directeur l'a intercepté. Moi je me suis sacrément fait secouer et le gardien, je l'ai jamais revu. Le directeur a voulu me punir en me donnant un nouveau colocataire, Alcazar. Mais ça s'est pas passé comme il l'aurait dit. Tu sais, maintenant que j'y pense. Attends, avant d'aller là. Bon, vas-y, tant pis. Parce que du coup, on a plus le droit de revenir en arrière. En fait, c'était pas du tout le même homme qu'aujourd'hui. À l'époque, ouais. Il était encore en pleine ascension. Mais j'avais vu les camions passer par une putain de route. Et nous regarde par où on passe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je pense qu'on va s'arrêter là, il doit y avoir quelque chose. Non mais réellement, j'ai oublié d'aller vérifier sur internet qu'est-ce que c'était que ça là. En plus je sais pas qu'est-ce que je vais taper sur Google. Petit tas de pierres à Madagascar. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la recherche de vieux quoi. Donc, attends, pourquoi? À un moment, il m'a dit que je pouvais noter quelque chose. Et là, quand je suis... Cool. D'accord, on peut noter que de loin, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est utile, au moins, j'espère. Parce que... Une sorte d'obélisque. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a bien pu noter. Ouais, bon, il a dû prendre l'ensemble. Il y a un autre truc. Non, ici, d'accord. C'est une sorte de muraille. Bon, bah on va continuer. Allez, en voiture. Ah, ça fait le petit road trip. Hein. C'est vraiment très sympa. On se croirait en vacances. On oublierait presque qu'on est en train de chercher un putain de trésor avec une milice à nos trousses. Apparemment, on est les premiers à mettre les pieds ici. On a qu'à explorer un peu le coin. Enfin, il y a quand même des bails explosifs, donc à mon avis, il va y avoir de la baston. Hein. Vrai Moyen Âge. Ouais. Allez, je vais aller l'ouvrir. L'interdit, c'est qu'on veut empêcher les gens d'entrer. Ou alors, qu'on a quelque chose à protéger. Attends, viens voir un peu ça. Je te la baisse comment, moi, ce pont là? Il y a même pas de mécanisme, ils sont sérieux? Ah, il faut aller à l'étage. Tac. Il doit bien y avoir des escaliers. Mais nous, on connaît pas les escaliers. Ça fait pas partie de notre vocabulaire. Ah, t'es déjà là, toi? Merde, les escaliers sont détruits. On peut pas atteindre la manivelle. Je vais voir s'il y a pas un truc sur lequel grimper. Là, tu vois, franchement. Je pense que le coup, là, je le ferai. Moi-même, je le ferai, tu vois. Bon, ça ressemblerait à... Ça serait totalement ridicule, mais j'y arriverai. Tu t'accroches sur le bord, là. Comme une araignée. Alors attends. On a un autre signe pirate ici. Alors celui-là je le connais pas du tout. Une sorte de licorne, ça fait tellement pas sérieux. Tu imagines t'es un pirate, tu veux tuer tout le monde. T'as une licorne sur ton drapeau noir. Enfin, ça paraît un peu bizarre. En tout cas pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire sur cette tour? Je ne pense pas, ça devait être juste une entrée pour le journal. On va récupérer le baroque. Alors là on a deux armes qui défoncent, hein. Là on n'a pas de problème. Par contre après c'est bizarre de dire qu'on est les premiers à venir ici. Parce qu'on trouve un colt, on trouve des barils ici là par exemple, tu vois. Mais... Il faut me donner un plan là pour grimper. Une grosse caisse en haut de la tour. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah ouais, attends. Je peux pas tirer cette corde là? Ah, finalement, ouais, fallait grimper au-dessus de cette tour. Bah, let's go. On va faire ça. Hop. Par contre, je pourrais commencer escade par où? Par ici, peut-être? Non, il a pas envie. Par là. Hop!
T'inquiète pas, Sully, j'ai l'habitude. Parce que, ouais, il y a une sorte de plateforme ici. Faut aller là. Une fois là. Toc, 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 toc. Je pense qu'il faut sauter ici. Ça passe. Par contre, ça a pas l'air d'être très très stable. Hein. Et une fois là, est-ce que vous avez une idée? Faut commencer à redescendre un petit peu, voilà, comme ceci. Non. Ah bah non, là je suis coincé. J'aimerais bien voir. Ouh, voilà, on peut. Voilà, c'était ça. Fallait passer de l'autre côté. Désolé hein, pour mon commentaire, mais je suis exténué. Faudrait que je me mette sous antibio, je pense. Eh hey les gars, il y a une immense tour juste après le pont levé. Voilà. La plus grosse jusqu'à maintenant. On va pousser ça. Ça, une présence spéciale. Oh, nice. Du coup, ça va suffire ça? Ouais. Franchement, c'est quand même une petite caisse quoi. Ok, à tout de suite. Je vais rapprocher la voiture. Alors là, il faut faire la caisse plus la courte échelle, je pense. Genre, je la mets là. Ah non, non, ils veulent pas faire de courte échelle en plus. Bah alors là, à ce niveau-là, tu me fais la courte échelle direct, on cherche pas une caisse en haut d'une tour. Parce qu'elle est vraiment petite la caisse. Allez, je vous abaisse le pont. C'est pas trop, hein, tous les deux. Je m'occupe de tout. J'exagère, je vois bien qu'il y a qu'une seule manivelle quand même. Tu fais du bon boulot, petit, continue. Allez. Ah bah tiens, c'est surprenant ça. De 1 et de 2 et de 3 et de 4 et de 5. Ok, maintenant on sort le lance-patate. De 1. Oh non, là ça méritait à double ça au moins. Ça y est, j'ai plus de mun. Oh merde. Là il me faut une arme. Une arme, une arme s'il vous plaît. Je vais devoir aller la chercher. Encore un camion. Ça va pas le faire du tout là. Vas-y. Comment on lance une grenade déjà dans ce jeu? Pas comme ça, c'est comme ça. Grenade, grenade, grenade. Donne-moi ça. Parfait. On peut y aller tranquillement. Toi, je t'achève. Vas-y, ramasse tout ça là. Hop, 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 génial. Attends, mais qu'est-ce qu'il a lui à pas mourir? Ouais, je pense que ça y est. Hein. Oh là là, on les a tellement violés. Alors, on la baisse ce pont levé. Putain, il va falloir que je respamme la touche rien quoi. C'était pas ici hein, que voilà, que j'avais réussi à grimper sur le toit. Hop. Et on la baisse. Oh putain, j'en peux plus. Mon pouce est en train de mourir. Allez. En plus, si je relâche, le pont revient quoi. Voilà. Et voilà. Ouais, on va pas tenter le diable. Ah bah tiens, il y avait un truc ici. Youhou! J'arrive! Voilà. Et on peut reprendre le road trip tranquillement. Bien, voilà une grosse tour sur un volcan. J'ai l'impression qu'on voit le bout du tunnel. Ouais, celle-ci a l'air super importante. Pop, 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 pop. C'est pas pour chipoter, mais avec tout l'argent qu'il a dépensé dans ses cours, Avery aurait quand même pu mettre des rambardes de la route. Voilà. Ça passe, ça casse, je sais pas.
Voilà, ça va pas le faire. En plus, bah, on voit déjà l'arbre sur lequel on va mettre le treillis. Oh là là. Bon, donnez-moi ça. Faut tout faire soi-même. Pourquoi il a pas ramassé ça là? Mais il est con. Attends, on va reculer d'abord parce que. Voilà. Donne-moi ça. Alors dis-moi, combien est-ce que tu lui dois avec Ada? Bah, la moitié. La moitié de quoi? En fait, je lui ai uniquement parlé du butin du Gunsway, qui s'élève à pas moins de 400 millions. Ouais, mais si pourtant, il faut pas tromper. Attends, mais du coup, la corde, elle se coince ici. Si je vais là, je glisse. J'espère que c'est pas un problème. Et voilà. Donc eux-mêmes, ils supposent qu'il y aura autre chose que le trésor de Gunsway dans la planque, quoi. Ah bah oui, puisque maintenant on sait qu'il est allié à plusieurs autres pirates. Ouh là là là. Ça vous rappelle pas le train dans le 2? J'arrive, vous inquiétez pas. Tout va bien, comme je l'ai dit, il ne faut pas paniquer. Ça va? J'ai connu mieux. Allez, sors-nous de là, petit. Accrochez-vous. Allez, ça passe, ça passe. Eh Bi, c'est bien marré, non? Bien sûr, je peux te dire que je vais parler de ça avec mon psy. Attends, tu vois un psy? Non mais, après tout ça, il faudra bien. Franchement les gars, vous en rajoutez. J'avais la situation bien en main. Moi ce qui m'impressionne, c'est l'arbre, il a pas bougé quoi. Genre tout va bien. Allez, accrochez-vous. Non. Pour une fois, tout s'est bien passé. Ah ouais, on va dire ça. Ok. Allez, on peut descendre. Allez, faut trouver un moyen d'entrer. Il y a un truc ici. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste une plante. Oh là là là, c'est vraiment beau. C'est vraiment très 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 beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On peut pas rentrer par là. Ah, merci, merci Nate. Ça valait le coup. Sam, donne-moi un coup de main. J'arrive. Envoyez un coup de pied là. Je vais aller jeter un coup d'œil par là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Une sorte de salle de torture, non? Ah. Ça se pousse, ok. Sam, allez. C'est parti. Merde, c'est muré. Mais là, attends, le mur, il tient de rien, quoi. T'enlèves les trois briques, là, et tu passes, hein. Ah, ils sont pas ingénieux quand il le faut. Ah bah... D'accord, pourquoi être ingénieux quand on a des. Quand on a des barils de poudre quoi. Ah, attendez, je l'ai mal placé. Voilà, je pense que là ça fera l'affaire. Voilà. Chaud devant, j'ai dit. Il y avait une sorte de passage secret par ici. Et ça mène juste directement dans la tour quoi. J'ai pu peut-être trouver une autre brèche, je sais pas. Et vous avez vu, on dirait qu'il y a un puits. Oh, il a accouru quoi. Dans sa tête, ça y est, le trésor il est là. Et regardez, il y a l'emblème d'Avery hein, ici. Sam, ça ne sert à rien, le trésor il est pas là. Ça
fait un moment qu'il est sur ce coup. Oh, je le sens très mal ce truc ici là. Allez. Heureusement qu'on n'a pas Cutter avec nous. Wow. Superbe. Mais pas de trésor en vue. Hé les gars. J'arrive. Ok, on a le retour de Jésus, Saint-Dismas et le connard de voleur. Viens voir par ici. Ah, Saint-Dismas. Comment on se retrouve? Alors, qu'est-ce qu'on a? De nouveaux sceaux. Là, c'est notre cher Avery, Thomas Thio. Et là, c'est... Là, c'est Adam Baldridge. Là, c'est Joseph Farrell et Larry Charmant. Tous des capitaines pirates. Bah, faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ici? Appuyer sur un bouton, tirer sur un truc? Je sais pas trop. Peut-être un truc avec les bras. Ouais, vas-y, essaie. Allez. Hé, les gars. Quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint-Dismas, moi, je serai vous, je viendrai jeter un coup d'œil par ici. Le trapèze qui est là, c'est forcément le volcan, on est d'accord. Et la couronne, c'est la baie du roi. Je crois qu'on est tombé sur une carte, jeune Jean. Tu sais que t'es un putain de génie, Victor. T'entends ça, Nate? Un génie. Ouais, ouais. Alors nous, on est à cet endroit. Cette tour est alignée avec le sceau d'Avery. Ok, donc ça veut dire que les autres sceaux... doivent correspondre autour de l'époque d'Avery. Bon, du coup, le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles. Ouais, sûrement, mais laquelle? Si je compte bien, il y en a 12. Dis-moi, Victor. Tu te serais pas mis à fumer des cigarettes par hasard? On doit pas être les seuls à traîner dans le coin. Mettez-moi couvert! Ok, c'est parti. Alors, je pense qu'ils ont pas remarqué, mais Saint-Dismas regarde vers une position bien particulière. Oh non. Oh non, c'est le retour des mastodontes. Vous avez vu, il regarde pas ici. Donc à mon avis, c'est une de ces tours-là. J'ai horreur des mastodontes. Et regarde-moi ces démons, quoi. Ils se prennent un chargeur dans la tête, ils en ont rien à foutre. Regarde-le, ce mastodonte. Tiens, mange-toi ça, cadeau de la maison. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, voilà, ça sera peut-être suffisant. Au revoir. Il faut des bombes nucléaires pour les tuer. On passe sur l'arme secondaire. Ah, toi, tu crèves déjà plus rapidement. Ouais, bon, moi aussi, je vais mourir, là, ça continue. Oh, merde, putain, il y avait un mur ici. Non, 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 s'il te plaît. Non, non. Non, à la demi-seconde près, j'étais à couvert, quoi. Attends, c'est quoi là, direct? Ils vont arriver ici. Donc là, je balance toutes mes grenades. C'est damage. Ok, c'est bon. Ensuite, putain, il y a un lance-patate. Plaisir de crever. Oh là, ils sont 3000 tout autour de nous. Il va me tuer, mais régène ta putain de vie. Quand je vous ai dit qu'il y a des moments dans Uncharted, ton personnage ne veut pas se régène, quoi. Eh ben... Ok, j'ai tout raté. Putain, c'est quoi? C'est quoi ce passage de malade? Oh là 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 là.
Et franchement, je me sens pas aidé, hein. On est quand même 3, mais... Ok. Viens là, toi. Je veux plus voir ta sale gueule. C'est génial ça de tabasser les gens au corps à corps et après récupérer leur arme. C'est bon ? C'est fini cette fois ? Ouais, faut espérer. Tout va bien ? Ouais, ça va. Dame ? Ouais, par ici ! Qu'est-ce qu'ils font là ? Ah ça y est, retourne... Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de savoir si j'ai raison. Merde. Regardez ça. Ils ont déjà un indice. Eux aussi, ils ont compris pour les tours. Les emplacements, les sauts, les travaux. Bon, et maintenant ? Bah c'est simple, on est dans la merde. Parce que nous, on est venus à 3, alors qu'eux, ils sont toute une armée. Et ils ont une longueur d'avance. Oui, mais ils savent pas encore dans quel tour ils doivent aller. Super, Nathan, sauf que nous non plus. Si, on le sait. Regarde, c'est un peu abîmé, mais on voit à quoi ça correspond. T'es sûr de ton coup? Parce que ça pourrait être celle-là aussi. Oh, merde. Ah, en tout cas, 2 tours, c'est toujours mieux que 12. Ok. Moi, je m'occupe de cette tour. Sully et toi, vous prenez celle-là. Non, non, pas question. Raif a déjà dû envoyer des hommes dans toutes les tours. Bah justement, si on veut avoir une chance de les devancer, alors va falloir qu'on se sépare. Attends Sam, il faut pas se précipiter. Ah, il a raison. Ces tours sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. C'est pas vrai. Si tu tombes sur l'un des gros bras de Shoreline, tu nous appelles surtout. À tout à l'heure. Allez, Nate. Faut pas traîner. Ouais. Voilà notre tour. Non mais tu crois vraiment que tous ces trésors nous attendent gentiment en plein milieu d'un marché ? Eh ben les amis, c'était fourbe le coup de la pièce là qui pouvait ressembler vraiment à deux blasons pirates. Nous, eh bien, on va se quitter ici pour cet épisode. On est vraiment sur une magnifique petite ville de Madagascar. On ira visiter donc pour le prochain. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss! Et à la prochaine!